Alors, chakra racine, j'insiste, on le sait, je vous les ai déjà dit, absorbe l'énergie de la terre, de la mère, l'énergie féminine. Le centre, le hara de ce bouclier, c'est ce que les Japonais appellent le ki, c'est-à-dire c'est la concentration des multiples énergies. C'est ce qui fait que ce ki est l'émanation de la force. C'est par le centre de ce bouclier que va pouvoir sortir l'essence, le liquide subtil, que l'on appelle le ki, qui est l'énergie de force. Et puis je vous dis, donc le plexus solaire, j'insiste, je répète, que ça soit bien compris, n'est pas comme ça un centre que de l'émotionnel, loin s'en faut, c'est avant tout un capteur d'énergie, une sorte de panneau solaire humain qui capte l'énergie solaire et qui est l'énergie vitale, l'énergie du Père. On voit par conséquent que dans ce bouclier, premier bouclier, celtique, bouclier d'énergie, il est une concentration de l'énergie féminine du bas, de la Terre, et une concentration de l'énergie du haut du Père. Une sorte de magma tantrique, hein, de magma d'androgyne en quelque sorte, d'énergie densifiée. Alors, beaucoup de frères et sœurs de la Terre, qui particulièrement ont un engagement spirituel, quel qu'il soit d'ailleurs, rencontrent beaucoup de difficultés avec cette force. Ils ont une tendance d'ailleurs, par conséquent, à fuir tout ce qui les ramène à ce bouclier. Dans ce bouclier, il y a effectivement... Et ainsi, ce troisième bouclier de conscience va tourner effectivement dans un sens encore opposé à celui du cœur, qui lui-même tourne dans le sens opposé de celui de la force, mais qui constitue le triskel celtique. Vous voyez bien que ces mystères, ces anciens secrets initiatiques celtiques, maintenant qu'ils sont à la portée du plus grand nombre, véhiculent une sagesse inouïe, d'une simplicité merveilleuse, pas besoin d'écrire un livre là-dessus. C'est pour ceux qui écoutent, pour ceux qui entendent aussi avec leur sensibilité, c'est d'une simplicité, d'une évidence. D'ailleurs, je dois dire que de voyager, d'aller recevoir des transmissions initiatiques un peu partout sur tous les continents, j'ai retrouvé ces mêmes enseignements avec d'autres mots, avec d'autres localisations d'énergie, mais on retrouve toujours cette nécessité de juxtaposer la force qui nourrit le cœur et l'amour, qui elle-même permet d'ouvrir la conscience. Alors, on ne peut pas se passer, voyez-vous.